Frédéric, tu ne crois pas en Dieu. Je pense que Dieu est, peut-être, mais en tout cas, certainement sous aucune des formes que l'on nous a enseignées. Et moi, j'ai, ça me... Finalement, ça me... C'est affreux à dire, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ton fils Matthieu est baptisé ? Oui, il est baptisé parce que j'attache beaucoup d'importance à, au fait qu'un enfant soit comme les autres. Et ça fait partie de notre culture, de notre vie. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, mais il y a des gens qui tiennent le raisonnement inverse. Moi, j'ai préféré celui-là. Il a quel âge maintenant ? Il a 20 ans, 21. On n'a jamais su si c'était ton vrai fils ou ton fils adoptif. Non, non, c'est tout à fait mon vrai fils. C'était une... C'est-à-dire que c'est... Il a vécu avec moi d'une manière un peu compliquée, à cause du désordre de la jeunesse, qui était ma jeunesse, en l'occurrence. Mais c'est mon vrai fils. Et puis, même s'il était mon fils adoptif, il serait aussi mon vrai fils. De toute façon, je trouve terrible cette différence. La seule chose qui compte, c'est la manière dont les gens s'occupent des autres. Mais en tout cas, c'est mon vrai fils. Est-ce que tu vois toujours sa mère ? Non, parce que... La drogue a tué beaucoup de gens. Qui l'a élevé ? Je l'ai élevé, mais pas très bien. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas assez bien occupé, que j'étais sans doute un peu tyrannique avec lui. Je l'ai empêché de respirer, quoi. Et voilà, enfin, il faudrait lui demander à lui. Hein. Si tu devais mourir, là, quelle serait la seule chose que tu voudrais lui dire à ce moment-là ? Je t'aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.